Moi, je crois non. Parce que l'effectif est là. Les qualités que Trésor a, c'est vrai, c'est un grand joueur. Il a du talent, il a de qualité. Mais il y a des joueurs qui ont les mêmes qualités, c'est vrai. On est passé à côté de notre match aujourd'hui. Mais bon, on va essayer de remotiver le groupe pour que nous puissions faire mieux pour la suite. C'est vrai, c'est un jeune qui est en train d'arriver. Moi, je crois qu'il est en train de monter. C'est voilà les joueurs qui vont faire la fierté de cette équipe de Mazembe d'ici quelques années. C'est eux qui prendront le relais par rapport aux doyens, aux anciens qui sont encore dans l'équipe. Ils sont là, ils sont en train d'apprendre aux côtés de ces anciens qui ont beaucoup plus de talent qu'eux. Donc moi je crois que d'ici 2 ans, il sera aussi parmi les patrons de cette équipe de Toulouse Mazembe. Moi je crois que sur le terrain il y avait le talent pour faire la différence. C'est vrai, comme il a dit, je l'ai dit même avant, qu'ils ont joué en bloc bas, le bloc était bien compact, bien en place, et nous avons essayé de contourner ces blocs en passant par les côtés. Il y a eu pas mal de centres et c'est nous qui n'avions pas toutes les chances possibles de mettre le ballon dans le filet, parce que les centres, il y a eu autant. Et la présence dans la surface, il y a eu deux joueurs pour finir des actions, mais bon. Il manquait juste un petit déclic pour mettre le ballon en fond de filet. Je crois que peut-être c'est ce que vous avez vu, mais pour moi, je peux dire qu'on n'a pas vraiment joué comme on a toujours joué en première période. Ce n'est qu'après avoir pris un but qu'on a essayé d'accélérer et de chercher à revenir au score et faire mieux. Malheureusement pour nous, on n'a pas eu la chance de marquer des buts parce que les occasions, on en a eu. Nous nous sommes créés pas mal d'occasions de buts pour marquer des buts. Et en face, le bloc défensif de l'équipe adverse était vraiment présent. Le bloc a bien répondu défensivement. Je crois que c'est vrai, on a perdu. Ce n'est pas dire que le championnat est fini, on est sorti dernier du classement, non. Le championnat continue, il y a encore autant de matchs à jouer. Il y a le dernier match qu'on va jouer ce week-end contre Renaissance pour la phase aller. Et moi je crois que ça doit être une très grande leçon pour nous pour la suite de ce championnat et même dans la compétition africaine.